c'est comme si, y'en a qui disent c'est comme ça. Qui dit pas rien, mais moi je connais pas. Je connais pas. Oh, je connais pas. Y'en a qui disent c'est comme ça. Bonjour, bonjour à tout quelqu'un. On est Si et ça, le programme où on visite avec le monde acadien en français. Et on a, pour une deuxième fois, avec nous, Madame Laure Warner. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Et puis la dernière fois, on parlait un petit peu à la fin de ta famille en France et je t'ai demandé s'ils avaient visité la Louisiane, et tu as dit oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient ici? Alors, on a visité les plantations, on est allé à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, et on est allé dans les bayous. On a aussi passé du temps avec des familles Cajun à Houma. C'était fantastique, on a pêché. Et là, vraiment, on a eu l'impression d'être rentrée dans une famille pour deux jours et de manger avec eux, causer avec eux. Et c'était un échange assez incroyable. Et on a beaucoup aimé. Et je sais que mon père, qui vient ici, je pense qu'il est venu à peu près 5 fois. Et il me dit toujours, si j'étais plus jeune, je déménagerais. Je quitterais la France et je viendrais en Louisiane, habiter en Louisiane. Parce que je crois qu'il y a un charme en Louisiane. Il y a quelque chose qui est différent. Qui fait que les gens, ils tombent sous le charme. Oui. Et moi, je suis tombée sous le charme. Oui, il y a un chanteur, il y a un chanteur du sud de la France qui s'appelle Christophe Maé. C'est un de mes chanteurs préférés. Et il est très populaire en France en ce moment. Et il est venu en Louisiane. Et son dernier album, beaucoup de vidéos, en fait, ont été filmées à la Nouvelle-Orléans. Et un de les titres de l'album, c'est « Tombé sous le charme ». Et on entend les orchestres, les fanfares de la Nouvelle-Orléans. Et je pense que les gens qui viennent en Louisiane tombent sous le charme. Il y a quelque chose dans le paysage, dans les gens. Moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que je n'ai jamais eu un problème en Louisiane. Ça fait 20 ans que j'habite ici et les gens sont tellement accueillants. Et je pense que quand tu leur dis aussi que tu es francophone, quelque part, c'est comme si de suite, ils savaient que tu étais un cousin. Oui. Et ils te traitent différemment. Ils sont très, très chaleureux. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont accueilli à bras ouverts. Même les Anglais, même ceux qui ne parlent pas français. Les Anglais. Quand je suis arrivée, quand j'étais à Alexandria, j'ai toujours eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui étaient prêts à m'aider. Et je pense que les Français sont attirés par le paysage, par les gens, la nourriture aussi. Quoique c'est quand même un peu trop épicé pour les Français. Oui, c'est vrai. Quand j'étais en France, il y a beaucoup de beurre et c'est vraiment délicieux. Mais oui. Moi, j'avais mes épices, là, juste au cas où. Oui, on a beaucoup de beurre et on n'a pas beaucoup de friture. On mange beaucoup de frites, comme en Belgique, mais on ne fait pas de fried chickens et des choses comme ça, non. C'est très bon, mais donc c'est différent. Donc oui, je trouve qu'en Louisiane, les gens sont très chaleureux. Et comment est-ce que ça se fait que tu as connu des gens à Houma, tu as dit, parce que ton mari, et on a parlé de ça la dernière fois, c'est une Française qui s'est mariée avec un Louisianais, mais du nord. De Pineville. De Pineville, OK. Donc, qui n'a pas de famille francophone. Mais comment est-ce que ça se fait que tu connais des gens à Houma? Parce que quand j'ai travaillé à la Nouvelle-Orléans dans le tourisme, j'avais l'opportunité de... Il y a une famille à Houma qui accueillait des Français et c'était leur business. C'était un bed and breakfast. Mais ils passaient un week-end avec eux et cette famille Cajun les amenait pêcher et faire des activités ensemble. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette famille-là. Et quand mon père est venu passer des vacances, j'ai dit, il faut absolument que tu rencontres ces gens. Et elle s'appelait Miss Julia. Et donc, on est allé passer un week-end et c'était vraiment... je crois qu'on se sent vraiment
dans un monde différent. Comment ça? Parce que je trouve que la Louisiane, je ne sais pas, on a l'impression d'être coupé du monde quelque part. C'est une histoire, nous en France, qu'on ne parle pas souvent de la Louisiane, car on aime la Louisiane, on connaît les paysages de la Louisiane, mais je crois que quand on vient en Louisiane, on se rend compte qu'il y a une histoire, qu'il y a un passé. Parce que la France est tellement un pays vieux, avec tellement... De partout, il y en est entouré de monuments, de vieilles églises, de vieux monuments, et on sait qu'il y a une... c'est chargé d'histoire. Et quand on arrive en Louisiane, aux États-Unis, il n'y a pas la même histoire, mais quand on arrive en Louisiane, c'est tellement différent des autres États que je crois que les francophones réalisent quand même, et pour ceux qui sont intéressés et qui savent cette histoire des Cajuns, ce qu'ils ont vécu, leurs ancêtres, ce qu'ils ont vécu, je pense qu'ils apprécient parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont arrivés là, dans un territoire qui était différent. Je parle des familles Cajuns, des ancêtres des Cajuns, qui étaient différents, et ils ont appris à s'habituer au paysage, à recommencer une vie ici. Et je crois que les gens qui aiment l'histoire, les Français aiment beaucoup l'histoire. Et je pense que quand ils viennent ici, qu'ils rencontrent des gens, ils ont toujours des histoires à raconter. Et ils se rendent compte que ce sont des Français, même s'ils sont passés par le Canada et ils ont quitté la France il y a très très longtemps. Il y a des choses qu'on a en commun quand même. Moi, quand je vais à un festival ici en Louisiane et que j'entends l'accordéon, ça me rappelle quand j'étais petite et qu'on allait aux kermesses, Alors, une kermesse, c'est quand une école, à la fin de l'année, ils organisent un spectacle. Ce sont les enfants qui dansent, qui ont des petites pièces de théâtre, et on appelle ça une kermesse. Et okay. C'est à la fin de l'école. Et souvent, dans le village, il y a un bal. Et c'est la seule fois où on entend l'accordéon, vraiment. Et quand on arrive en Louisiane, on se rend compte qu'il y a plus de connexion avec l'histoire, avec la culture française qu'en France, par exemple. Je trouve qu'on a perdu des choses en France que les Louisianais ont su garder. Cet amour de la musique, authentique, et des instruments. Je trouve que s'il y a des instruments à l'accordéon, ça se perd, je pense, en France. Alors, c'est drôle quand tu dis que c'était comme la seule fois que tu entendais l'accordéon. Moi, j'habite pas loin du Blue Moon, donc j'attends beaucoup d'accordéon. Ouais. Mais moi, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Mais quand je retourne en France, j'entends pas l'accordéon. Alors qu'ici, je trouve que les Louisianais, ils ont su préserver et de plus en plus leur héritage, leurs racines. Et ça, je trouve ça fantastique. Parce que même pour Mardi Gras, par exemple, quand on passe à Mardi Gras, nous, on va à l'école à Mardi Gras en France. Quand tu penses que l'origine de Mardi Gras, ben, c'était en Europe, en France, et que vous faites tant de fêtes, vous célébrez le courir du Mardi Gras. Et d'ailleurs, j'ai une histoire pour le courir du Mardi Gras. C'est que je suis fascinée quand je suis allée voir le courir de Mardi Gras pour la première fois. C'était à Timamou. OK. Et c'est une expérience, se retrouver entourée de gens costumés, d'entendre cette musique, d'entendre ce français du 17e siècle, la chanson qu'ils chantaient. J'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Mm-hmm. Et j'ai appelé ma grand-mère qui a 94 ans aujourd'hui. Et qui a toute sa tête. Et je leur ai dit, mais comment est-ce que toi, tu célébrais le Mardi Gras en France? Et elle m'a raconté une petite histoire. Elle m'a raconté que, parce que je suis du sud de la France, d'un petit village. Et elle habite dans un hameau. Donc, c'est très, très petit. C'est encore plus petit qu'un village. Un hameau, ça vient du mot âme, like a soul, like souls en anglais. Et elle disait que quand elle était petite, les garçons partaient avec la charrue les filles décoraient les chars avec, pas les voitures, hein, les charrues, celles qui les chevaux poussaient. Elles décoraient avec des fleurs en papier. Et puis les garçons partaient et ils passaient de ferme en ferme. Oui, ce que je ne savais pas du tout, j'ai appris ça il y a un an. Ils passaient de ferme en ferme et ils demandaient, donc pas la charité vraiment, mais quelque part. Alors les fermiers leur donnaient des œufs et des saucisses. Et quand ils revenaient, ils faisaient une grande omelette.
Et en français, en fait, je suis du sud de la France et on parle le patois. Donc, c'est un provençal parce que la France était divisée on a des régions. Et il y a très, très longtemps, avant que le français soit la langue unique de la France, chaque région avait ses dialectes. Donc, moi, je suis dans le sud et mon grand-père parlait patois, ma grand-mère parlait patois. Et donc, cette recette, ça s'appelle le crespeo. Et le crespeo, ça ressemble un peu au mot crêpe. Et en fait, c'est une omelette très, très fine. Et c'est fait avec des légumes différents et c'est superposé. Donc, eux, ils y mettaient aussi des saucisses. Et donc, quand ils cuisinaient cette grande omelette, comme ça, ils la coupaient comme un gâteau. Et ça s'appelle le crespeo. Et c'est ce qu'ils mangeaient pour Mardi Gras. Et elle m'a dit, on faisait beaucoup de petites pièces de théâtre, mais il n'y avait pas de musique. C'est ce qui m'a vraiment choquée. C'est parce que quand on va à Mardi Gras, on entend beaucoup la musique. Ici. Mais ça m'a fait chaud au cœur. Tu connais l'expression chaud au cœur? Ah, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, je suis en Louisiane, j'expérience le Mardi Gras qui est tellement différent, mais quelque part, j'ai trouvé une connexion avec ma famille, avec mes racines. Et ça, quelque part, je trouve que c'est un peu triste qu'en France, on perde un peu quelque part nos traditions. Mais ça me fait chaud au cœur quand j'arrive en Louisiane et que je vois que la francophonie est là, elle est présente. Est-ce qu'ils étaient déguisés? Ils avaient des Non. costumes? Non. Non. Parce que quand moi j'habitais en France, dans le Poitou, ils font toujours. Moi, j'ai rien compris parce que ça s'appelle le mi-carême. Et puis, ils sont déguisés un peu comme des Mardi Gras, mais c'est au milieu de carême. Donc, quand je les ai vus, j'étais comme, mais quoi est-ce que vous avez fait là? Comme c'est fini, c'est trop tard. OK, c'est carême à cette heure. Faut pas continuer à faire le fou là. Mais c'est ça qu'ils font. Ils font pas un grand Mardi Gras, mais ils font quelque chose au milieu de carême, où ils se déguisent et ils font Ça, c'est des intéressant. bêtises tout partout dans le village. Mais c'est vrai qu'il y a des petits. Et aussi pour le patois, il y a le documentaire de Pat Meer sur son père à lui qui a été en France pour la Deuxième Guerre mondiale, puis qui a parlé avec les Français des personnes de la campagne. Qui parlait pas le français super fin, c'est là Oui, tout à comme. fait. Et je crois que c'est seulement récemment que ça a vraiment changé en France. C'est pendant le 20e siècle, avec peut-être l'école pour tout le monde qui Oui, tout était un à peu fait. plus obligatoire et aussi la télévision et des choses plus standardisées qui vont donner à tout le monde le même accent. Mais je crois que ça existe toujours, c'est juste que de Ah, moins en moins. de moins en moins. Parce qu'en fait, l'avantage en Louisiane, c'est qu'on apprend le français. Donc, même si on a perdu le français pour un certain moment, le fait que moi, par exemple, j'enseigne, on a l'impression quand même de faire revenir le français. Mais en France, tous ces dialectes se perdent parce que c'était les générations de nos grands-parents. Et nos parents ne parlaient pas. Mon père, par exemple, le comprend. Il apprend beaucoup de poésie en ce moment. Il adore faire ça. Mon père a 70 ans et il adore apprendre des poésies en provençal. Donc le problème, enfin, c'est fantastique, mais le problème, c'est que des générations, ma génération, la génération de mes enfants, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et ça se perd petit à petit, alors qu'en Louisiane, on se rattache de plus en plus au français. On se dit que c'est important pour le futur des enfants. Nous, en France, on perd nos langues, nos dialectes, parce que ça, c'est pas un dialecte qui a été transmis. Oui, OK. Donc, tu veux dire parce que en Louisiane, il y a le dialecte louisianais et les dialectes louisianais. Il y a le créole, il y a le français louisianais, mais il y a aussi le français comme la grande langue française et on est comme attaché. Il y a un lien là. Quoique avec le provençal, il n'y a pas une autre langue qui est standardisée, qui a des livres et Exactement. toute une littérature et tout ça, qu'on peut dire, OK, ça c'est la référence. Et on peut parler comme ça. Comme en Louisiane, ça c'est un grand défi. On essaie d'avoir un peu d'équilibre, oui, entre les deux, de dire, OK, le français à l'école, c'est le français de l'école, et ça c'est normal. À l'école, on parle en anglais d'une certaine manière, on dit des choses différemment. Mais il y a aussi les variétés locales qu'on veut garder, qu'on veut
Mm-hmm. Pas juste parler français oui. de France, mais parler notre français à nous. Bien sûr, ça c'est et important. Puis, on essaie de faire un équilibre, mais c'est un peu difficile de faire un équilibre quand c'est le dialecte. Oui, c'est, en fait, c'est un retour en arrière. C'est ça qui est différent. C'est un retour en arrière. Donc, c'est presque impossible de faire revenir un dialecte. Je parle de la France. C'est presque impossible de faire ça. Mais ici, en Louisiane, pendant très longtemps, moi, j'entends toujours les gens qui me disent « Oh, on avait honte de parler. » Et petit à petit, je pense que maintenant, les gens ont plus de fierté. Et il y a encore des gens qui me disent « Oh, mais moi, je ne parle pas le français correct. » Mais c'est un français. C'est pas que moi, je parle un français standard, ça ne veut pas dire que c'est le français correct. Tant qu'on peut communiquer, on peut se comprendre, c'est fantastique. Parce qu'il n'y a pas qu'un français, il y a plusieurs français. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Mmh. C'est intéressant parce que moi, j'apprends encore beaucoup, j'ai encore beaucoup à apprendre. Quand j'ai une conversation avec quelqu'un qui parle cajun, je ne comprends pas toujours tout. Oui, mais au moins, on communique et on découvre les mots, l'origine des mots. Et je dis toujours que chaque mot a une histoire. Oui, c'est vrai. Parce que tu as dit français du 17e siècle ou quoi. Oui. Il y a beaucoup d'influence des anciennes versions du français comme en France. Oui. Mais il y a aussi beaucoup d'influence. Par exemple, tu parlais de l'accordéon, mais je crois, j'ai peut-être tort, si des musiciens ou des musicologues ou quoi vont m'appeler pour dire que j'ai tort. Mais je crois qu'en fait, l'accordéon est venu en Louisiane avec les immigrés allemands. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'était juste du violon. Comme en Acadie, ils font juste le violon. Oui. Et puis avec les immigrés allemands. Donc c'est comme, oui, c'est quelque chose de français, mais en même temps, ça c'est arrivé en Louisiane avec les Allemands. Il y a toutes les influences des Allemands, des Isleños, des Amérindiens, des tribus amérindiennes comme les Houmans, les Avoyelles, des tribus comme ça. Donc, c'est tout un mélange d'influences. Donc, ça fait une richesse incroyable en Louisiane. C'est pour ça que je pense que si on n'avait qu'un français, ce serait triste, en fait. Parce que c'est comme quand je dis à mes élèves, j'ai dit, imagine si on est tous de la même façon. Le fait qu'on soit tous différents, c'est ce qui est intéressant. Et quand je leur apprends la langue, j'ai dit, on n'apprend pas simplement à apprendre le français. Il faut comprendre que quand tu voyages, les gens sont des fois à s'habiller différemment, ils mangent des choses différentes, le paysage est différent, donc il faut apprendre à apprécier les différences. Et moi, c'est ce que j'aime en Louisiane, c'est qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Oui. Il y a toujours un nouveau mot à découvrir. Un petit village. Voilà, exactement. Donc, il faut pas, c'est pas une honte. Je pense qu'il faut avoir la fierté de dire qu'on parle français. Oui, c'est différent, mais c'est ce qui est intéressant. Oui. Donc. Et est-ce que tu as été dans d'autres coins des États-Unis? Alors, je connais un petit peu le Texas, un petit peu la Floride. Je suis allée à New York. C'était un rêve de jeune fille d'aller à New York. Oui, les Français, ils adorent New York. J'ai adoré New York. Je suis allée à Washington et je suis allée à la maison de George Washington. Ah, OK. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je pense aussi que j'aime la côte est des États-Unis parce que c'est là où il y a le plus d'histoire. Et quand je pense à l'épopée des Acadiens et qu'ils sont atterris dans ces colonies. Et quand on va dans ces coins-là, on se dit, oh là là, quand je pense que j'imagine à l'époque arriver, partir du Canada et ces Acadiens qui en sont arrivés là dans ces états. Oui, mais c'était vraiment comme brutal. C'était parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on entend que les Anglais et les Français ne s'aimaient pas. Oui. On pense que c'est un peu comme de nos jours, quand les Français disent « Oh, les roast beef, là! » les Anglais, les Britanniques disent « Oh, les frogs, là, là! » C'est comme des amis qui se picotent, là, comme c'est pas grave. Mais à l'époque, c'était comme un peu plus comme l'Irlande du Nord, où il y a des protestants et des catholiques qui se battent pour vrai, comme c'est sérieux et violent, et des gens qui croient vraiment que ces personnes, c'est l'ennemi. Là, c'était beaucoup plus sérieux. Donc, il y en avait qui ne sont pas même permis de quitter le bateau, qui ont resté dans un bateau pour des semaines, des mois.
Donc, c'est vraiment, c'était pas simple. Non, voilà. Non. Mais j'ai entendu que tu étais à Boston aussi. Alors, je suis allée à Boston, j'ai fait une présentation sur la francophonie en Louisiane il y a quelques années. Donc, c'était une expérience assez incroyable aussi. Donc, j'aime les grandes villes, mais je suis de la campagne. Mais c'est vrai que quand on va dans des grandes villes comme Boston ou New York, ce que j'aime, c'est la différence, c'est de voir toutes ces cultures. Mm-hmm. De voir toutes ces cultures ensemble, d'entendre tous les accents différents. Mm-hmm. Et parce que quand même, quand on va à Ellis Island, moi, j'ai fait un choix dans ma vie de partir de mon pays. Et c'était mon choix. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de gens, quand on est à New York et qu'on se rend compte de cette histoire, il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui. Ils voulaient chercher quelque chose de mieux, ou ils partaient de leur pays parce que c'était un sacrifice pour eux. Et j'ai beaucoup de chance parce que moi, j'ai fait un choix. Mais pour beaucoup de gens, ils sont arrivés ici aux États-Unis, ils ont dû s'adapter. Donc, il y a une histoire assez importante. Quand on va à New York, je crois qu'on réalise ça, qu'on réalise que les États-Unis, c'est un melting pot. Un melting pot, c'est ça. c'est des gens qui sont arrivés là et c'est chargé d'histoire. Mm-hmm. Mais tu dis que tu viens de la campagne, tu es une fille de la campagne. Où est-ce que tu habites à cette heure? Tu restes à la campagne? J'habite à Carancro. Ah, OK, oui, ça marche, ça compte. Oui, ça, c'est qualifié comme la campagne pour moi. C'est surtout pas la Nouvelle-Orléans. Mais j'ai vécu à la Nouvelle-Orléans, j'aime beaucoup la Nouvelle-Orléans. Ouais. Mais j'avoue que c'est trop la ville pour moi. Il fallait que j'aille quelque part. Même si pour moi, la ville, pour moi, la Nouvelle-Orléans, c'est comme la plus grande petite ville. Tu sais, c'est parce que... Quand moi, je suis à la Nouvelle-Orléans, et moi, j'ai été au high school à la Nouvelle-Orléans, et tu sais, je croise le monde que je connais tout le temps à la Nouvelle-Orléans. Ah, oui? Et tu ne penserais pas que ça arriverait parce que c'est une ville, oui. c'est grand, là. Mais au moins, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. Tu sais, tu es le frère de cette fille avec qui j'ai joué au basket ou quoi. C'est toujours des connexions. C'est une petite ville pour une grande ville. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, quand on commence à voyager, qu'on va à Houston et qu'on va dans des grandes villes et qu'on se rend compte qu'il y a des skyscrapers. Houston, man, ça prend tellement longtemps juste pour traverser Houston. Tu peux traverser Houston, ça prend comme une heure juste de... C'est là que tu te rends compte que tu es dans un pays différent. Oui, ça, c'est pas, je peux pas. Mais non, j'aime beaucoup Carancro et puis il y a des vaches pas loin. Donc, je n'ai pas été élevée dans un coin où il y a des vaches parce que nous, on a beaucoup de vignes. Oui. J'habite pas loin de Châteauneuf-du-Pape. Ah, OK. Il y a beaucoup de monde qui savent ce que c'est que le Châteauneuf-du-Pape. Et donc, je suis entourée de vignes, de champs de blé, de champs de lavande. Enfin, pas autant de lavande, mais beaucoup de tournesol. Mm-hmm. Mais pas de vaches. Donc, à Carancro, je vois les vaches et j'aime beaucoup ça. Est-ce que ça me rappelle la campagne. Et j'entends les vaches aussi et j'aime ça. je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais pour une dernière question, est-ce que tu... c'est la fin du semestre proche. Oui. Qu'est-ce qu'une maîtresse d'école... C'est quoi dans ta tête à la fin du semestre? Est-ce que c'est comme il faut finir à apprendre certaines choses ou tu es juste comme l'été? Non, même si je vais en France cet été, ma tête n'est pas en France. Ma tête, elle est dans la classe. Oh là là, j'ai encore ça à faire et ça à faire et ça à faire. On n'a pas appris ça encore. Ouais. Mais c'est un vrai bonheur d'enseigner. Oui. C'est un vrai bonheur. Et tu penses que tu as aucun projet de nous quitter, tu vas rester ici là. J'aime visiter la France, ma famille me manque énormément. Oui. Mais j'adore la Louisiane. Tu as une grande famille? J'ai une grande famille, oui. Oui, j'ai seulement un frère, mais j'ai beaucoup beaucoup de cousins. Okay. Et mes parents ont une grande famille. Donc la Louisiane a vraiment une place spéciale dans mon cœur et les Louisianais. Oui, mais il faut, tu sais, ce que moi, au Québec, ils appellent ça la revanche du berceau. C'est quand
les catholiques, les francophones, ils avaient beaucoup, beaucoup d'enfants. Moi, je crois qu'on doit faire la revanche de la bague, où on se marie avec des francophones, puis on les prend pour les enfants, pour nous autres, pour rester ici en Louisiane. Ouais. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir discuté avec nous encore une fois, et à la prochaine, vous autres. Au revoir. Au revoir. Comme ça, qui dit pas.